On a 70 000 livres audio, 20 000 livres en braille. Et à la fin, on a soit une petite mamie qui perd la vue, soit un adolescent dyslexique qui est heureux parce que grâce à nous, il va retrouver le goût de la lecture et qui nous remercie. Mais comme si on l'avait bouleversé toute sa vie. À l'occasion de la journée mondiale du braille, je suis partie à la rencontre de Céline Boeuf. Elle est bibliothécaire à la médiathèque Valentin Huy à Paris. C'est une médiathèque d'un autre genre qui propose depuis le 19e siècle des ouvrages dédiés aux déficients visuels et aux aveugles. Céline, elle est aveugle depuis 25 ans et pour elle, son avenir était loin d'être tracé. Je suis devenue bibliothécaire, soyons honnêtes, c'est par défaut. Je le dis d'autant plus librement que je ne regrette absolument rien et que j'adore mon métier maintenant. Le fait est que moi je suis diplômée en musicologie. Soyons lucides, quand on est musicologue et aveugle, à la fin on fait chômeuse. J'ai eu la chance qu'un poste se libère au sein de la médiathèque pour s'occuper des partitions musicales. Donc des partitions en braille. C'est pas une occupation qui occupe à plein temps, donc l'association m'a proposé de devenir parallèlement bibliothécaire et de m'occuper également, comme tous mes camarades, comme tous mes collègues, des livres, à la fois des livres audio et des livres en braille. Un livre en braille papier, le gros inconvénient, c'est qu'il est volumineux. Il faut très très souvent plusieurs volumes pour faire un livre. Par exemple, ici, on va avoir un livre qui commence ici et jusqu'au volume qui sera posé à l'envers, qui est le dernier, ça représente un seul livre. Donc, de fait, pour aller bouquiner sur la plage, c'est pas le plus pratique. Pour aller dans le métro, ça n'est pas le plus pratique non plus. D'où l'intérêt du braille numérique qui prend nettement moins de place et qui se lit avec un bloc-notes en braille. Ce bloc-notes en braille, le voici. C'est un dispositif de lecture qui permet à Céline d'afficher un texte en braille grâce à des petits picots mobiles. Vous voyez, je fais défiler le texte et on voit les petits picots qui forment les caractères braille qui montent et qui descendent. Et donc, si j'ai un livre en braille numérique dans cet appareil, je peux le lire en faisant défiler le texte. En France, près de 1,7 million de personnes souffrent d'un trouble de la vision et seulement 10% d'entre elles savent lire le braille. Le fait que les personnes lisent très peu le braille, oui, il n'y a pas énormément de cours, mais les personnes qui perdent la vue avec l'âge ne se sentent pas capables d'apprendre le braille. Et surtout, apprendre le braille, c'est aussi accepter l'idée qu'on est en train de devenir aveugle, ce qui psychologiquement peut être très compliqué. Le braille est un marquage de la cécité. Très, très connoté, très stigmatisant. Et la barrière psychologique, déjà, de réussir à accepter l'idée de se dire je dois apprendre le braille puisque je ne peux plus lire et écrire autrement, c'est déjà complexe.